Et bonjour tout le monde, on se retrouve sur Dofus, j'espère que ça va bien pour vous. J'ai quelque chose de plutôt cool à vous montrer aujourd'hui, grosse vidéo. Donc juste avant de commencer, je reviens vite fait sur la dernière vidéo. Si jamais vous voulez aller la voir, que vous l'avez pas vu, n'hésitez pas. Je vous mets là à l'écran le screen de vente de ce que j'ai fait et ce que j'ai passé dans la dernière vidéo. C'était plutôt cool, hein. Ça, c'est parti assez cher, hein, voilà, comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Du coup aujourd'hui du lourd, vraiment vraiment no fake. Donc là enfin on est le 2 novembre, donc demain il y a l'économie d'ingrédients, tout ça. Donc je prévois de faire pas mal de petits crafts sympas. Et notamment je pense que je l'aurais mis dans le titre, brisage de El Dorado, non du Dorado, c'est pas El Dorado, c'est le Dorado en fait. Donc regardez ce que j'ai acheté. Donc j'ai prévu pour demain de craft le Dorado pour le briser en mode Donc il est là. J'ai acheté des ailes de vortex, tout ça. Donc c'est un petit peu la merde en ce moment parce que les prix en HDV, voilà, hein. Mais bon, ça devrait le faire. J'ai pas mal fait le tour de mode marchand ces derniers jours. Donc là voilà, le but c'est que si ben, je me mange trop, au moins on aura pu économiser quelques trucs. On a quand même pas mal de choses sympas à économiser. Les ailes de vortex que j'essaie de choper au prix le moins cher possible depuis quelques jours, ben voilà, 1,5 million en gros quand même. Le cocktail, si on peut l'économiser aussi, hein, ça serait cool. Enfin bref, du coup il y a plein de choses vraiment cool à. Enfin, il faut vraiment profiter de ça pour briser tant qu'à faire. Et sinon j'ai prévu de faire 5 pilostairs. Voilà, donc 5 fois 11 plus 10. Parce que les pilos, ben, en ce moment, c'est 8 millions HDV, prix de craft, il n'y en a plus du tout. C'est à cause des joyaux qui montent, tout ça, c'est un truc de fou. Les ongles de Borker, les moustaches de Klim, ça a monté. Je pense que c'est parce que, tout simplement, avec l'économie d'ingrédients, ça a été pas mal vite dans HDV. Mais bref, alors juste avant de commencer, je vous fais cette intro le 2 novembre juste avant, parce que j'ai fait un petit truc sympa là maintenant, là, juste avant. Donc j'ai acheté mes ressources et tout, puis d'un coup je suis passé sur une offre plutôt intéressante en mode commerce, canal commerce. Donc en gros, c'est un mec qui vendait, au calme, qui vendait ça, plus ce casque du chalet pour 25 millions. Alors en fait, il manquait, il n'était pas FM comme ça, je l'ai retouché, j'ai pu taper un petit Overvita. Clairement, vu que les dés du chalet ont monté et tout, c'est pris, hein, le prix de craft était à 24ème genre. Et j'ai tapé un petit Overvita plutôt sympa, le jet est plutôt propre. Et je l'ai mis à un prix vraiment abordable, ça devrait partir assez vite. Regardez, l'Overvita il est à 30ème. Donc je pense que je vends sans souci le mien assez vite. Donc rien qu'avec ça, je rembourse les 25ème. Et en fait, ce que je prévois de faire, allez en mode on s'en fout les gars, on va briser ça, on va briser le casque du chalet, j'espère que ça peut être sympa, voilà, en intro tranquillement. Et puis demain, du vraiment lourd, lourd, lourd avec le brisage du Dorado, j'espère qu'on va pas se manger. Voilà, et puis j'espère aussi pouvoir craft mes 5 pilos pour prendre un FM et tout, parce que c'est quand même plutôt intéressant. Enfin, pour voir les exos, je veux dire, hein, voilà. Donc voilà, il est over 2% haut, j'ai pas trop la foi de le mettre en vente, j'ai envie de briser. Voilà, hein, on est chaud, hein. Allez, on va refocus. Et puis voilà, j'ai envie de faire duel de plaisir là, mais on va pas faire ça. 3, 2, 1. Oh, ben voilà, nickel, 10 millions 8. Parfait, parfait, donc 25 millions plus 10 millions 8 de bénéf, 1000%, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre. J'aurais peut-être pu casser à la limite l'over. Non, 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 mais c'est bon. Parce que les res hauts coûtent combien? Ouais, non, bon, c'est pas grave, c'est très bien. Donc voilà, 10 millions 8 de bénéf, on commence bien. Si on pouvait choper un coef à peu près comme ça, mais je pense même plus haut pour le Dorado, on devrait se mettre bien au niveau des runes PA, donc je pense focus, hein, sans souci. Donc voilà, donc écoutez. C'est tout pour l'intro, on se retrouve pour moi dès demain pour les crafts et le brisage, et puis voilà. A tout de suite. Ok les gars, ça y est, on y est le 3 novembre, donc le jour de l'économie des ingrédients, merci Latmanax. Donc on va enfin pouvoir profiter de ce que j'avais prévu depuis un petit moment, enfin de ce que je prévoyais de faire depuis un petit moment.
Alors, juste avant de montrer ça, enfin de commencer, on va directement les crafts. Je vous ai montré une petite hache à l'œil au début de la vidéo. Donc, preuve de vente tout de suite à l'écran. Voilà, elle est partie super vite. Donc, c'est parfait. Donc, les 10 millions 8 de ruines que j'ai fait avec le cache à l'œil, là, qu'on a fait ensemble, bah voilà, ils sont là, ils sont gratuits. Et puis, en me baladant, je vous remonte ça en plus, en me baladant en mode marchand, j'ai trouvé une hache à l'œil à 18 millions. Que pareil GFM avec un petit over sympa de 40, donc il est parti super vite aussi hein, le lendemain. Voilà, ça part, mais vraiment, vraiment super vite. C'est un CAC qui est excellent. Voilà, c'est logique. Du coup, il est parti à 26 millions 6. Bah, vous l'avez à l'écran, quoi, donc encore plus cher et tout. C'est génial. Du coup, ok. Alors, le petit coffre. Donc, le petit coffre contient à droite la recette. Enfin, le coffre contient ici la recette des pilots. Donc, x5, 35 millions, bonjour, au revoir. Ça coûte un petit peu cher, j'espère que je vais économiser vraiment. On va voir combien je peux économiser, 15% de chance, on verra comment ça va faire. Et du coup, je le fais séparément pour qu'on voit vraiment combien je fais. Du coup, pour le Dorado, le principal pour cette vidéo, 25 millions, alors un peu moins. Les ailes plutôt 1M4, je les ai eues à droite, à gauche. Le cocktail à 4M5, voilà. Et puis les joyaux à 300 000, donc voilà, ça fait un petit peu moins cher que 25, mais en gros on voit que j'ai qu'on a pour 25 millions 25 millions 1, on verra combien on aura après avoir craft. Donc écoutez, je vais quitter mon petit sac et on va crafter, on va voir combien on peut faire. Après on va crafter les pilots et on brise le Dorado. Ok, donc le Dorado il est là. Alors 25 millions 1, vous rappelez, attention combien on va économiser. Il faut bien aller au village de Magna, n'oubliez pas. What? Quoi? Allo Dofus? What? Ah! 2 millions 4. Ok. C'est pas ouf, on a économisé qu'une seule aile. Deux joyaux par contre. Ok, bon, 2 millions 4. Ouais. Ok, d'accord. Bon, on va aller crafter les pilots. 2 millions 4, oui, bon après ça va, c'est 15%, faut pas non plus déconner là. Donc on va voir combien on va faire sur les pilotes, j'espère faire un petit peu plus. Ok, donc là l'idée de toute façon c'était d'économiser le cocktail, ça aurait été pas mal en plus, mais bon. Du coup, pilot. Alors attendez, je vais prendre ça, on va juste poser les petites merdouilles, ça là. Donc. Ah, attends, rends-moi ça. Rends-moi ça. J'ai besoin de 5. Oui, 55, on soit 5. Du coup. Attends, il manque pas un truc là? Non, non, c'est bon. Donc 35 millions. 35 millions. Point. On y va. On quitte notre havresac et on craft les 5 pilots. Donc ils seront destinés, bien sûr, à l'exo, hein, je l'avais dit. Donc 35 millions. Combien on va économiser? Ah, il manque deux trucs, bon, c'est pas. 5 millions, ok, c'est pas ouf, mais ça va, ça fait quelques trucs en plus, quoi. Ok, bon, de toute façon, voilà, je comptais en faire et tout, et puis voilà. Bon, les gars, on va se rendre au brisage directement. Voilà, direct, les gars. Ok, bon, bah écoutez, ça a pas fait tant d'économies, mais ça m'a fait 7 millions sur les 50 d'en tout à peu près. Donc. Attendez. Le Dorado, quel G? Je pense que je vais retaper. Enfin, je vais opti au maximum le puits. Désolé pour le soufflement là, dans le micro, j'entends rien que moi. Bref, donc du coup, ouais, je vais aller FMSA un petit peu plus pour vraiment opti le truc. Et l'idée, c'est de focus les PA. Voilà, on va le PA. Il y a vraiment beaucoup de puits dessus. Du coup, petite ellipse, on se retrouve tout de suite. Ok les gars, donc nous avons là le Dorado qui donne, enfin qui a, sans compter le PA, donc j'ai 757,8 puits à balancer en focus sur le PA. Donc ça veut dire que concrètement on fait du x3 sur les runes PA un peu plus, 3, 5, 3, 7, bref, voilà. Donc voilà, je sais pas si j'ai la chance que personne ne soit passé, ce qui m'étonnerait bien évidemment dessus, donc sur Hellmonster, je suis sur Hellmonster si jamais ça vous intéresse. Et bah si c'est le cas, ça devrait être plutôt cool. Mais je
Je me dis que ça va être de plus en plus nul. De plus en plus, je me dis. Bref, dans tous les cas, c'est pas grave. J'aurais économisé. On a déjà 5 millions en tout, enfin un peu plus. On a fait 5 millions sur les pilotes, 2 sur les machins, enfin sur le Dorado, donc à peu près 7 millions d'économies. Si... Ouais, c'est ça, hein, 7 millions d'économies? Non, oui, non, bref. Oui, je crois que c'est ça. Donc voilà, donc 7 millions au pire, écoutez, voilà, ça fera 5 millions de moins sur la perte qu'on fera. 3, 2, 1, Oh putain, les gars, c'est dommage! C'est dommage parce que là, c'est bien ce que je me disais, c'est que si il y avait un très gros coef, on était en mode full, full, full bénef. Bon, 15 millions, c'est 25, hein, le craft, donc c'est pas ouf, hein, voilà, c'est pas ouf du tout, hein. Mais au moins, on va pouvoir on va pouvoir faire 4, 5, 5 vagues, ouais, 5 vagues, 4, 5, bref, avec les pylons en plus. Donc, on fera dès la prochaine fois sur la prochaine vidéo. Donc, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu quand même. Bon, y a pas eu le gros coef, hein, au rendez-vous, mais bon, c'est pas grave, je m'y attendais un petit peu, hein, ça fait un petit moment que c'est sorti déjà. Du coup, RDV la prochaine fois pour sûrement, voilà, je vais faire des séries d'exo. On se retrouvera donc une fois léger monté. Et du coup, je vous dis bye bye!